Nous, du côté de l'ADD, notre mission était de s'occuper des ex-combattants qui adhéraient au processus. Et nous avons vu qu'il y a eu un très grand engouement. Au jour d'aujourd'hui, on pense que jusqu'à maintenant, au départ là, nous avons traité 687 personnes. 687 personnes ont été traitées et sont parties en resocialisation. En termes de collecte d'âmes, il y a eu sur le site, tous nos ateliers étaient présents, c'est-à-dire l'atelier de désarmement, de mobilisation était présent. Ils ont pu collecter environ 260 armements, munitions, et armes, tout confondu, 260 armements. Évidemment, je ne suis pas fâché, même si je dis fâché, je ne vais pas y rien faire. Parce que nous avons grossi le cœur, mais on laisse tomber. On nous avait promis que nous aurons des matricules, on a fait des formations, au finishing, on vient de dire qu'il y a les équipes de mobiliser. Avec, nous avons nous collé dans le cœur, mais nous laissons ça, nous allons faire la réseau. Si c'est fini, on viendra pour voir ce qui se passera. Parce que dans les jours à venir, ça ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas bon. Voilà. Partout où on passe, je n'ai pas dit moi je vais le faire. Partout où on passe, il y a des gens qui disent quoi. Ah, ça, on ne peut pas laisser, on ne peut pas laisser. Moi, c'est le moins, je demande à tout le monde de faire, d'aller à la réconciliation, de saluer les uns et les autres, afin que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Je vous remercie. Sinon, au début, moi, je ne voulais pas me démobiliser. Mais quand j'ai fait profilage, après ADD est venu me demander, mon avis, qu'est-ce qu'il veut faire. Il dit non, moi, c'est militaire. Moi, j'ai un chauffeur de gros camion. C'est bon, non? En tout cas, depuis en France, comment on dit, mission présidentielle, on était à Tibesu. Les coupés de route, on courait derrière lui, on courait derrière lui, on allait la main, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Ben, encore, non, on a fait des frais de mobilier, moi, je ne suis pas content. Même 800 000, là, c'est l'argent, mais moi, je ne suis pas content. On ne peut pas chasser un homme comme ça. Parce qu'on revient, on va les chasser quelqu'un. Nous, nous paraît que nous sommes du nagement, nous nous sommes pas avec la douleur. On laisse nos femmes pour vous. Vous n'avez pas voulu avoir. On va les chasser une personne quand on revient, à tel jour, on fait telle chose. Désormais, je veux dire, pas si nous, mais si les autres là, on n'a pas les plus de revenus. Je veux dire, on est content, on ne force pas l'armée. Je veux dire, c'est Dieu qui l'a voulu. Je veux dire, nous, on prie Dieu si on revient. Mais moi je suis prêt pour aller faire mon réseau, c'est vrai. Mais est-ce que eux-mêmes ils sont prêts pour payer notre argent? Notre argent c'est 800 000. C'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Ils ne donnent pas cash. C'est 800 000. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour payer notre argent? Sinon il n'y a pas de problème. Oui, même s'il a tué l'homme, c'est eux-mêmes qui ont décidé qu'on tue l'homme. Mais à l'air là, ils ont décidé qu'on va faire les réseaux. On est d'accord pour aller faire les réseaux. On a nos familles derrière nous. On ne sait pas comment il faut faire. Mais est-ce que quand on va finir les réseaux, ils vont donner notre argent? Est-ce qu'ils vont donner? Moi, mon souhait, c'est ça. Bonjour. Je suis un mécanicien. En même temps, vulgarisateur. Tu as compris? J'ai fait 13 ans dans mon travail. Je connais. Il n'y a pas à faire d'aller faire formation encore. Je connais. Est-ce qu'ils sont prêts pour nous donner pour qu'on va se débrouiller? On n'est pas encore démobilisé. On nous dit maintenant, nos commandants ont pris nos armes, on nous dit de venir se démobiliser. Maintenant, on vient sur le site, on veut se démobiliser, on nous dit d'envoyer encore des armes. On va enlever ça où? On ne sait pas où on va enlever. Donc aujourd'hui, on a décidé, on dit on va venir faire ça, quitter dans ces Bukavuka. Donc c'est ce qui est là. Aujourd'hui, moi, je suis venu, on me dit non, que mon nom est sur base de données, donc j'attends la semaine prochaine. Je suis obligé d'attendre. Je ne suis pas content. Si je dis je suis content, il est menti. Parce qu'on ne pensait pas à ça. Moi, ce que moi, je pensais, c'est qu'ils ont dit. Ou pas. Il faut mettre la main de quelqu'un dedans, hein, parce que tu peux aller marcher. Mais nous, à la DDR, suivant les instructions du directeur, nous leur offrons une possibilité surtout de formation, d'obtenir une qualification qui va leur servir. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avec tout le développement qui s'amorce, il faudrait que les jeunes, les personnes qui aspirent à un emploi, puissent avoir les qualifications nécessaires pour intégrer le processus de développement, sinon, rentrer dans le train de l'émergence. Donc, nous pensons que ce que nous leur offrons est mieux que ce qu'ils sont en train de quitter.